Mais je m'appelle Olga Lefort, j'ai 58 ans et je suis gardien de but. Francine, 84 ans, défenseuse. Paulette, 77 ans et le poste défense, je crois, à la fin, derrière. Ça doit être ça, hein. On n'est pas habitué, ça fait que 3 semaines de foot. Et 3 semaines d'entraînement, c'est pas beaucoup. Mais on va rire. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou qu'on fait. Un truc de fou. C'est un mari de fou qu'on a fait. Voilà. Rien que de mettre ça, on se sent. Ça fait. Personnellement, c'est moi quand on porte les couleurs de la France, on représente notre pays. C'est grand, hein? Oups! Mais je le vis comme une gamine de 13-14 ans. Vraiment, c'est. Tu vas aller au bout, tu vas arriver. J'ai pas 58 ans. Je pense qu'avec cette expérience, on a oublié l'âge qu'on a. On verra demain matin, ça va craquer de partout, mais c'est pas grave. On est jeune, on est jeune. On garde une part de jeunesse quelque part. On est vraiment tout étonnés de nous-mêmes d'avoir fait ce petit collectif. On est étonnés. Comme quoi, il ne faut jamais se laisser abattre. Toujours en avant, toujours en avant. Et on arrive à faire des belles choses. On va chercher au fond de soi-même et on arrive à se dépasser. Vous jouiez au football plus jeune ? Jamais. J'ai jamais joué au football. Vous jouez de l'autre côté, pas chez moi. Vous êtes encouragés là, elles sont pour vous. Allez, c'est pas grave. Attention, elle est droite au but. 4-0. Mais c'est l'armée Résina, appelez-moi Napoléon. Allez, 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 Faut pas charrier, quoi. Mais c'était beau. On est là pour s'amuser. Et pour partager. On n'oubliera jamais. Alors, je vais essayer d'aller. Mais le combat. Là, je vois, j'ai mes petits-enfants qui sont venus voir et bon, un peu déçus parce que je ne peux pas jouer. Malheureusement, je me suis laissée à l'entraînement. Mais ils me disent, on est fiers. C'est bien, mamie, qu'elle est capable à se... Quand même, ils se débrouillent à leur âge, les mamies. Merci. Puis c'est ça, bon, on ne vieillit pas. C'est ma copine Martine. Même blessée, elle a joué. Hein? C'est magnifique. Voilà. Qu'est-ce que vous retenez, Martine, de cette aventure? C'est une belle aventure. C'est trop merveilleux. Il faut continuer, il faut continuer. Il faut continuer. C'est une belle joie, une belle vie. C'est une belle expérience humaine. Voilà, exactement. Et elle nous donne, les dames, là, des leçons de vie. Dames d'Afrique, là. Danser, chanter, c'est la joie. Il faut faire ça. Et non la guerre. Et je vous ai senti comme des enfants pendant toute la journée. Pour nous, on avait 10 ans là, et on a joué comme ballon. Ah oui, on avait 10 ans. Et score final, c'était quoi? Quand on aime, on compte pas. Voilà, exactement. On sait plus, je crois qu'il y a une dizaine contre... à deux. À on trois. Va dire.
Ils ont marqué 3 buts. Trois ouais. buts, un et deux oh. autres après. Et un, et deux, et trois, un, 10. Non, c'est super bien. C'est magnifique, on s'en fout ouais. des buts. Il y a un moment qu'on s'est amusé pour montrer l'exemple aux grands footballeurs comme quoi qu'on peut s'amuser au foot. Surtout merci. Les dames. Surtout les dames. Allez, merci bien, au revoir. Merci.